nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est le 6. Il est 5h, 17h, je viens de finir de travailler. Et ma fille, elle a été chez Action. Donc, je vais vous faire un haul, mais en fait, de produits cachés, ma fille, parce que je trouve ça sympa et je voulais vous les montrer. Donc, elle a quand même acheté pour sa moumoune des petites choses au scrap. Ça, je ne les avais pas. Et alors, elle m'a acheté un truc. J'adore trop, ça va être dans ma scrap. J'adore trop. Tintin. Non, c'est, quand elle avait, elle me dit, j'ai trop pensé à toi. Alors, je pense pas qu'elle a pensé à moi pour le lutin, hein, mais voilà. Avec tous ces sacs Action. Voilà. Ben, c'est ça. Je suis chez Action, je regarde tous mes sacs Action. C'est trop, trop chou. J'adore. Donc, voilà, ma fille, elle m'a pris ça. Voilà, pour Moumoune, hein. Voilà. Les achats compulsifs de toutes les youtubeuses qui vont chez Action. Et ben, voilà. Donc, je le trouve trop, trop, trop joli. Donc, il faut que je lui trouve une petite place, bien placée, pour qu'on le voie. Donc, je vais le poser là pour l'instant. Et elle m'a pris, donc, en 15-15. Et donc, je ne les avais pas. J'ai ceux-là. Je n'ai pas beaucoup de blocs 15-15. Donc, elle m'a pris le Happy Color Foil. Comme ceci. Le Fresh Floral. Le Flower Collection. Le Black and White Basic. Et le Beautiful Romance. Voilà. Donc, comme ça, je vais pouvoir faire des petites choses avec les petits blocs 15-15 qu'elle m'a gentiment offert. Je vais vous faire un petit retour sur ce que j'avais acheté la dernière fois en produits de beauté, de démaquillant. Il y a une abonnée qui m'a demandé de lui faire un retour sur le Alvira, le Biface Makeup. Alors, il est super. Il démaquille super bien. Il est waterproof, il me semble. Je regarde. Où est-ce que j'ai eu ça? France. Démaquillant, maquillage. Voilà, il est waterproof. Il démaquille super bien. Bon, vous secouez bien hein, pour bien faire le mélange. Il démaquille super bien. Il n'y a pas de traces, il n'y a pas de reste. Même le lendemain matin, il est nickel. Par contre, pour ce qui est des lingettes Alvira Skin Care, elle démaquille, mais je les trouve un peu rêches, pas assez douces et pas assez humides en fait. Donc bon, ça fera l'affaire. J'en ai acheté deux paquets, je ne vais pas les jeter. Je vais les finir. Mais ça, plutôt flop que top. Et ça, top. C'est vraiment top. Celui-là, je vous le conseille. Il n'est pas cher. Et il est vraiment bien au niveau des maquillants. Donc ça, top. Et ça, plutôt flop. Voilà, moi j'ai trouvé. Alors, je vais vous montrer les achats de ma fille. Donc, c'est ses achats pour elle. C'est des soins de beauté qu'elle aime bien s'acheter chez Action. Donc là, elle a trouvé... je lui ai demandé ce que c'était. Je pensais que c'était des trucs à boire, mais non. C'est des masques donc à faire soi-même. France. Masque facial en caoutchouc doré. Pour les peaux normales. Donc, c'est à faire soi-même. C'est un masque à faire soi-même. Donc, c'est le Gold Rumber Face Mask, le Smoothie. Après, il y a le, c'est Smoothie tout, le Green Rubber Face Mask, comme ça en vert. Et il y a le Pink Rubber, comme ça. Donc, le Gold, le Pink et le Green. Voilà. Elle a pris, alors je regarde s'il y a des doublons. Ah, ça, je voulais les prendre, moi, la dernière fois. J'ai pas pris. Alors, elle a pris aussi des masques comme ça, masques relaxants. Alors, je vous les montre et du coup, quand elle les fera, je lui demanderai ses retours et puis je vous dirai. Là,
un masque distress, pour le stress. Masque facial, purifie en profondeur, exfolie votre peau, déstress pour peau normale, voilà. Et ça, c'est le relaxing. Le déstress, le relaxing. Elle a pris ça, je voulais le prendre. Du coup, je lui demanderai ce qu'elle en pense quand elle le fera. Les spa gel socks, donc c'est des chaussettes spa. En français, chaussettes gel spa, enduire vos pieds d'une lotion pour les pieds et porter les chaussettes pendant environ 20 minutes. Les chaussettes ont une couche spéciale de gel qui stimule la peau. Absorbez en lotion, répétez 2 à 3 fois par semaine pour des pieds tout doux et souples. Ne pas marcher avec les chaussettes car elles peuvent devenir glissantes. Donc ça, je les ai vues la dernière fois et je me suis dit, tiens, je vais les prendre, puis je ne les ai pas pris. Ben, Colline, elle les a prises. Donc voilà, je lui demanderai ce qu'elle en pense. On fera un retour. Ça va prendre pas mal de trucs. Hop, ça, c'est pour les cheveux. Ça, c'est pour les pieds. Ah, elle a pris pas mal de trucs. Ça, c'est pour les cheveux. Hop, les cheveux. Alors, elle a pris, elle les avait déjà pris. Donc, des masques pour les cheveux. Donc, c'est avec un bonnet qui se met sur les cheveux. Celui-là, on crée son masque, en fait. On met sur ses cheveux et après, on met le bonnet. Donc, ceux-là, elle en avait déjà pris. J'en avais déjà pris 3 la dernière fois. Et du coup, elle en a repris 2. Elle a refait son stock. Bon, elle en a beaucoup parce qu'elle adore ça. Elle prend très soin de ses cheveux. Donc voilà, elle a pris celui-là, le argan, celui-là c'est le kératine. Elle a pris ceux-là, les White Flowers, Air Mask Cap, les comme ça, elle en a pris 2. Et ceux-là, formule spéciale cheveux abîmés, huile et soins, contient du beurre de karité, vitamine E, 4 huiles, conseil d'utilisation, utiliser le masque. Pour les cheveux après shampoing, lavage sur les cheveux essorés. Voilà, donc c'est des masques avec le bonnet pour les cheveux. Ça, on en avait déjà. Ça. Alors, ça c'est pour les pieds. Ça c'est le facial. Facial. Masque. Ah bah elle a pris aussi, elle en avait pris aussi un autre à l'argan, donc elle en a pris 2. Elle a pris un masque avocado fruitiface sweet mask nourrissant, comme ça. Alors ils sont vraiment pas chers, hein. Franchement, elle a pris un masque de chez Garnier, un Nutribomb, masque tissu au lait. Elle a pris un masque face sweet mask en bambou, comme ceci. Elle en a pris un autre au cherries, à la cerise. Elle a pris aussi une paire, je les avais vu aussi cela, de food mask pour les pieds à l'avocat. Je les avais vu aussi. Alors, pour le tout, bon, je n'ai pas le ticket, je ne peux pas vous dire en unité, mais pour le tout, de tout ce qu'elle a pris, elle en a eu pour 48 euros. Bon, on va dire, elle a énormément de produits de beauté, donc on va dire que c'est quand même raisonnable. Plus mes blocs de scrap pour moi, mon petit lutin qui fait ses courses actions. Non, je trouve que c'est raisonnable. Franchement, elle m'a dit, j'ai craqué mon slip, mais bon, elle avait raison d'abord de le craquer son slip. Un masque rafraîchissant peppermint à la menthe. Trois masques de chez Botidep. You
are the cutie. OT. Une marque chinoise, apparemment. Celui-là, ça a l'air d'être au breakfast du blé. Smoothie. De la même marque, de chez Botidette. Celui-là, c'est à l'orange. Toujours la même marque, Botidette. Le watermelon, je vous l'ai montré tout à l'heure, je crois que je l'ai vu. Il y en avait déjà un. Ou dans la même marque, il est à l'avocat. Un autre masque blueberry. Comme ça. Là, un masque lion, en fin de compte, ça vous fait la tête d'un lion, la tête d'un chat et ça vous fait un masque de soin. Deux masques Garnier Nutribomb au lait ou à l'avocat. Je ne sais pas. Elle a, pris, donc, elle a dû en prendre trois, des comme ça, de chez Garnier. Un face sweet mask à la camomille. Un autre masque qui vous décore le visage et en même temps qui prend soin de votre peau. Encore un masque Garnier, elle a dû en prendre 4. Encore un masque pour les pieds. Et ça, je l'avais vu chez Karine, une youtubeuse. Ça y est, j'ai pu savoir son nom YouTube. Karine Grinsboop, il me semble. Karine Misboop. Chez Karine Misboop, il me semble. Je crois que c'est Karine Misboop. Je l'avais vu dans un de ses halls. Le Coffee Scrub. C'est pareil, c'est pour le visage et le corps. C'est au café. Scrub doux et nourrissant, base de café enrichi en vitamine E et à l'huile de tournesol. Donc, elle en a pris 2. Et ça, je l'ai vu chez Karine Misboop. Voilà, ça, mais Colline, c'est pareil, elle l'avait vu dans un de ses hauls. Du coup, elle a voulu l'essayer. Donc, elle l'a pris aussi. Donc, voilà pour ce qui est des achats de ma fille. Alors, ce ne sont pas mes achats. Peut-être qu'elle en prêtera à sa mère hein, des masques. Elle me fera un petit masque de soin pour moi, je pense, hein, si je lui demande gentiment. J'essaierai, et puis j'essaierai quand même de lui demander de me faire un peu des retours pour que ben voilà, vous sachiez si ces masques sont bien. Mais elle en a déjà fait et franchement, elle n'en est pas mécontente. Donc voilà. Donc je vous remonte une dernière fois ben, mes petits achats pour moi. Donc les 5 blocs 15-15 qu'elle a fait pour sa moumoune. Et alors, je vous le remonte parce qu'alors franchement, il est juste trop beau. Voilà. Le petit lutin avec ses sacs Action. Voilà. Trop beau. Alors franchement, oui, je crois que j'aurais été chez Action, je l'aurais vu, je l'aurais acheté. Hein. Donc, ben, connais bien sa maman. Voilà. Donc, voilà pour cette petite vidéo haul qui n'est pas la mienne, qui est des courses de ma fille, mais je lui dis, oh, tiens, je te prends ton sac, je vais faire un haul, ça peut peut-être intéresser les abonnés. Donc, voilà. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous n'aimez pas ou vous n'aimez pas ce genre de vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur la petite croix, ça ne me dérange pas du tout. Hein. Forcément, chacun aime ce qu'il veut. Donc, voilà. Et n'hésitez pas à liker si vous avez aimé, mettre un pouce. Et je vous dis à très bientôt. Je vous fais de gros bisous. Bisous, bye bye. Bye.